Und wir schauen uns natürlich jetzt einmal sofort den Marketingplan an. Et nous, on va continuer sur le plan marketing, ça nous intéresse. Das Dressplaner-Konzept beschreibt den Marketingplan zunächst einmal als sehr einfach. Alors, un Dressplaner définit son plan marketing comme très, très simple. Um einen Marketingplan weiter duplizieren zu können, muss er einfach sein, kalkulierbar sein und übersichtlich sein. Donc il faut qu'il soit très, très, très facile à comprendre, vraiment à interpréter et très facile à calculer. Und deshalb sprechen wir auch davon, dass wir, deshalb sprechen wir auch davon, dass wir solch einen Marketingplan, wenn er gut ist, während einer Fahrstuhlfahrt erklären müssen können. Mais donc, notre plan marketing, il est tellement concentré, tellement simple. On peut l'expliquer comme si, voilà, on l'explique en appuyant sur le bouton d'ascenseur, vous montez et en haut, vous êtes arrivé à l'étage et votre plan marketing, il est acquis. Genau so ist es. Und deshalb schauen wir uns den Marketingplan jetzt erst einmal genau an. Das seid ihr, ein Mann, eine Frau oder vielleicht auch eine Familie. Voilà, donc tout simplement, vous regardez, on va vous expliquer le plan marketing. Vous êtes deux, ja. Voilà, un homme, une femme, une famille, peu importe, tout en haut. Ihr habt euch im Unternehmen registriert und habt euren eigenen Empfehlungslink bereits an viele Menschen weiterversandt. Voilà, donc vous vous êtes enregistré et vous commencez à diffuser votre lien de parrainage. Und was wird geschehen? Es werden sich weitere Partner und Kunden ebenfalls kostenlos registrieren. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, comme vous, il y a beaucoup de gens, des partenaires, des clients qui vont s'inscrire comme vous. Und das sind eure Partner auf der ersten Ebene, auf dem ersten Level. Donc ça, c'est vos partenaires, vos distrits, sur le premier niveau. Wir haben hier, sorry. Entschuldigung. On peut l'appeler niveau ou ligne, c'est comme vous voulez. C'est bon. Okay. Wir haben hier als Beispiel einmal vier Personen aufgeführt. Bah, par exemple, on a pris quatre personnes. Das können aber auch 40 oder 400 sein. C'est juste un exemple, ça peut être 40 ou 400. Das liegt ganz allein an eurer persönlichen Aktivität. Donc, tout dépend de votre activité, de votre façon de travailler. Und dass sich diese Menschen kostenlos registrieren werden, dafür seid ihr der beste Beweis, wenn ihr euch schon registriert habt. Bah, et pour que les gens fassent comme vous, c'est vous le meilleur exemple pour que ça fasse, que ça puisse fonctionner. Und diese Partner auf eurer ersten Ebene, die werden das genauso weitermachen. Et vos partenaires en première ligne vont faire exactement comme vous l'avez fait. Und deshalb werden Partner auf eurer zweiten Ebene entstehen. Et c'est pour ça qu'il y a des partenaires en votre deuxième niveau, deuxième ligne. Voilà. Menschen, die ihr schon gar nicht mehr kennt. Ben souvent, c'est des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on connaît pas. Weil sie von Partnern von eurer ersten Ebene empfohlen worden sind. Parce que tout simplement, ça a été mis en place par des partenaires de votre première ligne, de votre premier niveau. Und so wird das immer weitergehen, sodass sich weitere Ebenen in eurem Team bilden werden. Et exactement, ça va se reproduire sur tous les niveaux. Und wir haben hier einmal die ersten sieben Ebenen aufgeführt. Donc déjà, on va vous expliquer, on va vous montrer les sept lignes ou sept niveaux. Das geht natürlich weiter noch nach unten, achte, zehnte, hundertste Ebene. Et bien entendu, on ne peut pas vous montrer tout, mais ça va être en profondeur jusqu'à la huitième ligne, la dixième ligne, la centième ligne. Aber der Dressplaner Marketingplan sagt aus, dass ihr auf die Umsätze der ersten sieben Ebenen verprovisioniert werdet. Voilà, mais par contre, le plan marketing de Dressplaner vous commissionne, donc vous amène de la une commission sur les sept premiers niveaux. Und das bedeutet, dass all diese Menschen, die hier etwas im Web-Office, im Shop, im Online-Shop bestellen, letzten Endes für euch dann auch eine Provision generieren. Donc ça signifie tout simplement que toutes ces personnes que vous voyez vont générer une commission pour vous. Und es muss begrenzt sein. Wir können es nicht bis in die unendliche Tiefe zahlen, weil es muss ja irgendwoher bezahlt werden. Ben, tout simplement, on a défini que c'est sept niveaux parce qu'il faut que ce soit payable, que ce soit que la société ait la possibilité d'honorer ses engagements. Ihr seid zwar auf der siebten Ebene oder ab der siebten Ebene beschränkt, aber in der Breite seid ihr nicht beschränkt. Voilà, donc vous êtes arrêté au septième niveau en profondeur, mais dans la largeur, vous pouvez aller à l'au-delà. Aucune limite. Und das bedeutet nichts anderes. Das heißt, je mehr Partner ihr selbst auf der ersten Ebene empfehlen werdet,
desto größer wird euer Team in allen Ebenen werden. Ben, ça signifie tout simplement, plus vous recrutez de personnes sur la première ligne, plus les personnes vont faire comme vous, plus vous allez avoir de personnes dans votre, dans la totalité de votre lignée. Wir verprovisionieren auf 7 Ebenen und das in 2 verschiedenen Varianten. Donc, nous payons sur, nous commissionnons sur 7 niveaux en 2 options. Dazu unterscheidet das Unternehmen zwischen Kunden und Partnern. Donc, la Trespania définit en tant que client ou partenaire. Der Kunde ist nicht daran interessiert, Geld zu verdienen. Er möchte im Online-Shop nur tolle Ware kaufen. Alors, le client s'intéresse juste à une chose, pouvoir commander de beaux articles. Während der Partner natürlich einkaufen möchte, aber auch Geld verdienen möchte. Et la différence, donc, le partenaire, il veut avant tout acheter et être commissionné, gagner de l'argent. Beide, Partner und Kunde zahlen den gleichen Preis. Donc, il n'y a pas de différence entre les partenaires et les clients. Tout le monde paye le même prix. Und der Partner muss die Ware nicht einkaufen, um sie noch an den Kunden zu verkaufen. Er kann das natürlich tun. Donc, le partenaire n'est pas obligé d'acheter des articles pour pouvoir les revendre à un client, mais s'il en a envie, il peut le faire. Ihr werdet als Partner Zugang zu einem sogenannten Web-Office erhalten. Donc, en tant que partenaire, vous allez être orienté sur un Web-Office. Und in diesem Web-Office werdet ihr live sehen, wie hoch eure Provisionen im Laufe des Monats steigen. Donc, par rapport à cet instrument, donc ce Web-Office, vous allez voir comment votre commission va augmenter de jour en jour. Immer dann, wenn in eurem Team jemand etwas bestellt, wird gleichzeitig eure Provision ein wenig höher gehen. Donc, à chaque fois qu'un client commande, votre commission va augmenter. Und wenn ihr am Ende des Monats sagt oder entscheidet, ich möchte gerne diese Provision erhalten. Donc, à la fin du mois, quand vous décidez de vouloir obtenir cette fameuse commission. Dann müsst ihr selbst eine Bestellung durchführen. À ce moment-là, vous êtes obligé de commander. Aber, damit das nicht falsch verstanden wird, es ist eure freie Entscheidung. Mais il faut bien faire attention, vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui décidez. Vous voulez ou vous voulez pas. Möchtet ihr die Provision haben, bestellt ihr selbst etwas. Möchtet ihr die Provision nicht haben, müsst ihr auch nichts bestellen. Voilà. Vous décidez de toucher la commission, vous commandez. Vous décidez de ne pas la toucher, vous commandez pas. Und wir sprechen hier wirklich über ganz kleine Werte. Et là, à ce moment, on parle de toutes petites, de petites sommes. Petit, das habe ich verstanden. Petit. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Voilà, et ce qu'on va regarder tout de suite. Wenn ihr im Monat etwas für ungefähr 30 Euro bestellt. Donc, si par mois vous commandez à peu près pour une somme de 30 euros environ. Erhaltet ihr auf der ersten Ebene, also für die Umsätze eurer Partner auf der ersten Ebene 5% und auf allen anderen Ebenen 2,5%. Donc à ce moment-là, sur votre première ligne, votre premier niveau, vous touchez une commission de 5%. Et ensuite, sur les lignes de la ligne 2 à 6, à 7, les 6 prochaines, vous êtes commissionné à la hauteur de 2,5%. Und diese Provision erhaltet ihr auf die Punkte. Jeder Artikel hat einen eigenen Punktwert und auf diesen Punktwert wird diese Provision 5 und 2,5% gezahlt. Voilà, donc c'est un système de niveau de points qu'on a mis par rapport à chaque article. Vous êtes commissionné sur des points. Wenn ihr euch aber entscheidet, selbst etwas zu bestellen für ungefähr 60 Euro. Mais par contre, si vous prenez la décision de commander des articles d'une valeur à peu près de 60 euros. Dann verdoppeln wir eure Provision. Mais à ce moment-là, Trespania va nous doubler la commission. Was bedeutet 10% auf die Umsätze der ersten Ebene und 5% auf alle anderen Ebenen. Donc ça signifie tout simplement que vous touchez 10% sur la première ligne, sur le premier rang, et puis en profondeur de la ligne numéro 2 jusqu'à la ligne numéro 7, vous êtes commissionné à une hauteur de 5%. Denkt bitte daran, jeder ist in seiner Entscheidung frei. Das heißt, es gibt keinen Zwang und keinen Muss, etwas bestellen zu müssen. Donc, il faut surtout faire attention qu'il n'y a aucune obligation. Vous pouvez décider à tout moment de commander, de ne pas commander et à la hauteur que vous décidez.